Salut chers abonnés et bienvenue sur Safcad MNK pour les nouveaux. Et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas tout de même à la partager à votre entourage afin de promouvoir davantage ce football gabonais. Après avoir fait une belle présentation de Kanga Kaku, Gaylord la semaine dernière, nous allons nous intéresser à l'un des ailiers polyvalents des Panthères du Gabon. J'ai cité Denis Bouanga. Moi, perso, je joue comme je sais faire, comme on l'a toujours appris. Voilà, la sélection me permet de me mettre en avant aussi un peu plus. Donc voilà, je le fais au maximum et j'aide l'équipe au maximum. Je te dis, t'es mon homme du match, t'acceptes ou pas? J'accepterai, mais bon, voilà, comme je te dis, c'est toujours le collectif qui passe avant. Bonne chance, Denis, pour le prochain match. Alors, 44e minute, Denis Bouanga tente sa chance à l'entrée de la surface. Abdoulaziz Keïta cafouille, résultat, le ballon glisse entre ses gants, une bavure et en novembre. Malheureusement, le Sili tenait l'avantage jusqu'à presque la mi-temps, j'ai envie de dire. 43e minute, Denis Bouanga certainement qui relance les hommes de José Antonio Camacho, un partout à la mi-temps. Il était à 100 d'entendre, les gars, et là, ils se retrouvent donc du côté de Galatasaray en Turquie. Un football turc qui est un. Elle est bonne celle-là, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne pour Péa, l'appel de Péa. Mais il a déjà jeté deux coups d'œil, il n'y a personne, attention. Bouanga ! Bouanga ! Bouanga ! Denis Bouanga ! Angolais, et c'est le but de ce but gabonais. Super, super, super complice entre Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Et la reprise de volet par Kamam depuis le camp gabonais. C'est Boupenza qui remet ce ballon dans le sens de l'avant pour Pierre-Emerick, intelligemment, qui va chercher avec sa pointe de vitesse Denis Bouanga pour faire la différence. C'est également ça l'implication du capitaine revanchard de cette équipe gabonaise, c'est exceptionnel. Le stade de Franceville, chavure de bonheur, c'est exceptionnel. هدف ثاني عن طريق نفس اللاعب دينيس، نعم دينيس بوانغا هو من يسجل هدف ثاني، دينيس بوانغا من يسجل هدف ثاني. خطأ فادح من كاي اليميق، يعني خطأ غير مقبول تماما في هذه الوضعية وفي هذا المكان بيزات ترتكب الخطأ وتمنع هدية لدينيس بوانغا الذي يسجل هدف ثاني. شوف الإعادة، كرة كانت سهلة جدا مثل هذه الأخطاء غير مسموح بها يا جواد يا اليميق. ومرة أخرى let's see her get back to the action. That was, this was the goal. Beautifully works. Now look at that. Defence caught napping. Goalkeeper not in the right position. And Denny Bouanga, the Strasbourg wing of Bappens, finds a rocket into the back of the net. Between the front post and the goalkeeper. Not that. C'est parti. Attends, beaucoup d'hésitation dans les forces soudanaises, hein. Deuxième tête, les foulées qui peut remettre. La frappe. Il a qu'à chercher sur le terrain. Énormément de calme, énormément de maîtrise. Et quelle classe sur le plan technique. Parce que ce petit sombrero sur le défenseur et cette reprise pied gauche,
c'est simplement la grande classe. La grande classe de Denis Bouanga. On attendait ce garçon, on attendait ce premier but. Là, c'est son frérot et cette maîtrise de volet, pied gauche, c'est encore une fois de plus la grande classe. On attendait ce premier but de Bouanga, mais quel but il est en train de nous mettre. Un but qui sera célébré, un but qu'on a pensé dans les écrans de football. Bouanga, le fils prodige du pays. On avait dit qu'il était assez intéressant sur ce type de match. Et il vient encore le prouver. Exceptionnel but sur ces terres, ici à Libreville. C'est ici que s'arrête notre top 5 des buts de Denis Bouanga avec la sélection nationale du Gabon. Nous attendons vos remarques en commentaire. Partagez-nous également vos idées pour nos prochaines vidéos car nous sommes tout de même aussi ouverts à vos idées. Par ailleurs, la question du jour est celle de savoir à combien de Coupes d'Afrique des Nations a déjà participé l'équipe nationale du Gabon. Surtout, n'hésitez pas à nous répondre en commentaire. Et moi, je vous dis merci encore. Bye bye.